mesure de la tension en courant continu. Au préalable, les EPI ont été contrôlés. Nous allons vérifier la tension fournie par l'alimentation filtrée. Le schéma m'indique que la tension est une tension continue, car nous avons l'information plus et moins. Je place le sélecteur sur la position volt continu. Le mode DC direct continu apparaît, ce qui signifie courant continu. Je vais vérifier que ma tension qui doit être de 24 volts en courant continu en sortie. Le plus correspondant au fil 18 et le moins qui correspond au fil 16. Je vais ensuite effectuer mes branchements. Je me branche sur le connecteur 18 qui correspond au plus et je me branche au connecteur 16 qui correspond au moins. Le multimètre m'indique environ 22 volts.